Bonjour, nous sommes le 12 septembre 2017. J'apprends aujourd'hui que la réunion du conseil d'administration de l'Ordre des Frères de la Charité en Belgique, qui s'occupe, je le rappelle, de la plupart des hôpitaux recevant des personnes handicapées, a décidé de maintenir, malgré les directives du Vatican, sa décision de pratiquer l'euthanasie dans ces hôpitaux. Il faut savoir ce qui s'est passé. Donc le conseil d'administration s'est réuni. Il n'est plus composé que de 3 frères et d'un certain nombre de laïcs, dont Herman Van Rompuy. On sait que c'est un homme politique du parti flamand catholique. Ils ont voté et à la majorité, ils en sont arrivés à la conclusion que leur position de maintenir l'euthanasie était parfaitement catholique et que, je dirais, ils n'obéiraient pas aux injonctions du Vatican. En effet, ce qui fait, selon eux, la foi catholique, c'est l'attention aux personnes qui souffrent, dont la vie est indigne, et donc il ne saurait être question de les priver de ce soin médical qui s'appelle l'euthanasie. Je fais cette vidéo parce que je voudrais profiter de ces signes qui sont donnés de la Belgique et qui, en fait, sont donnés ici et là dans tout le monde occidental catholique. Je voudrais en profiter un petit peu de la façon suivante. Le dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn disait qu'il était plus facile de défendre la foi en Union soviétique où elle était combattue explicitement, parce qu'au moins on voyait où était le danger. Tandis qu'en Europe occidentale, on est un peu dans la situation d'une grenouille qu'on a mis dans l'eau froide, et l'eau, tout doucement, monte sa température, la grenouille y cuira, mais elle ne se rend compte de rien. Alors qu'en Union soviétique, c'est comme si on mettait la grenouille dans de l'eau déjà bouillante. Elle se débat, elle saute, elle se rend compte qu'il se passe quelque chose. Eh bien, ces petits signes-là sont, je crois, des réveils pour prendre conscience. Il faut donc, selon moi, premièrement, analyser la cause et ne pas se tromper. Et deuxièmement, déterminer l'action qu'il faut faire face à cela. La cause, il faut la nommer, il faut la pointer du doigt. Je crois que nous sommes un peu dans la situation de saint Athanase au IVe siècle, où il manifesta, en la nommant, la cause qui était en train de détruire l'Église de son temps, et de manière tout aussi radicale que ce qui se passe maintenant. À l'époque, c'était l'arianisme. Là, maintenant, le nom qui se prétend être le catholicisme, le nom de l'hérésie, au sens fort du terme, ça veut dire le choix de certains aspects du christianisme et le rejet des autres, le nom de l'hérésie s'appelle l'humanisme sans Dieu, ou presque sans Dieu. Son chef de file, celui qui l'a, je dirais, théorisé, c'est le théologien allemand Hans Küng. Et elle s'est répandue dans l'Europe occidentale à partir des années 68. On peut dire véritablement qu'en Belgique, son relais, ça serait un théologien comme Gabriel Ringlet. Elle consiste à dire que le Concile Vatican II, certes dans la lettre, ne dit pas ça, mais ce qui compte, c'est l'esprit de Vatican II. L'esprit Vatican II qui a remis l'Église les pieds sur terre, enfin, et qui a envoyé balader tout le fatras, je dirais, de superstition auquel elle s'est donnée pendant presque 2000 ans. Le message du Christ est, selon Gabriel Ringlet, selon plutôt Hans Küng, est un message humaniste. Il nous veut heureux maintenant sur terre. Et il demande à l'homme de construire un monde chrétien, donc où on fait attention aux autres, ici. Maintenant, ça passe d'abord par le combat contre la misère physique, la misère psychologique, et je dirais, chacun trouve le bonheur maintenant. Et c'est ce qui compte. Toutes les vieilles lunes, comme la vie après la mort, sont des sujets parfaitement secondaires, je dirais presque accessoires. Ne parlons pas de la Trinité. On exerce donc la miséricorde sur terre, et la miséricorde consiste à faire que nos frères soient heureux, ici et maintenant. La conséquence immédiate de cela, c'est que tout ce qui fait de la vie terrestre une préparation, une sorte de purgatoire qui prépare à l'autre monde où le cœur de l'homme se forme, est mis au rancard. Hans Küng, par exemple, eh bien, a décidé, alors qu'il est malade de la maladie de Parkinson, de demander l'euthanasie récemment. Il est dans la logique. Sa mort, le fait de vivre une mort, je dirais, où il apprendrait des choses, ne serait-ce que sa petitesse, n'a aucun sens par rapport à cela. Il n'y a aucune valeur rédemptrice à expérimenter sa misère, donc autant arrêter les choses au moment voulu. Le pape Paul VI avait vu cette idéologie monter, il l'avait même appelée du nom des fumées de Satan.
Le pape Jean-Paul II, avec son autorité, le pape Benoît XVI, l'avait maintenue. Elle était, je dirais, peu apparente, même si elle était dans les cœurs, et le schisme était dans les cœurs. Et le pape François s'est montré tolérant, s'est montré sensible à l'attention aux personnes, effectivement. Et c'est à ce moment-là, et en particulier en Belgique, avec le départ en retraite de Mgr Léonard, que ces forces ont surgi. Elles s'étaient emparées des instances de l'Église, elles se disaient catholiques, mais en fait, elles étaient dans cette hérésie, cet humanisme sans Dieu. Elles font maintenant surface. Je dirais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit l'état où en est l'Église. L'Église, en fait, a des institutions en Belgique, des écoles catholiques, des hôpitaux catholiques, des universités catholiques, mais tout cela est tenu par quelque chose qui s'appelle l'humanisme sans Dieu et qui peut, au niveau des instances, se proclamer catholique, plus catholique que le pape. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Eh bien, je dirais qu'on a vu, par exemple, la réaction des évêques en Belgique. C'est une réaction faite, je dirais, d'attentisme, d'écoute. Les principes intangibles, comme par exemple la protection de la vie, de sa conception à sa mort, sont défendus avec le minimum syndical. Il n'y a pas cette force de conviction, parce que tout simplement, cette idéologie est partout présente. Je pense qu'il y a deux remèdes à cela. Le premier remède, c'est de bien montrer du doigt, comme je disais le fils Athanase, la différence entre l'humanisme presque sans Dieu et le catholicisme. Le catholicisme, ce n'est pas du tout cela, même si les valeurs de miséricorde, d'attention aux autres, sont une des dimensions. Le catholicisme a une dimension verticale. Il attend la vie éternelle. Il croit que le Christ n'est pas qu'un homme révolutionnaire, mais qu'il est Dieu fait homme pour sauver les hommes, etc. Donc d'abord, réaffirmer la vérité, je dirais s'en imprégner, comprendre qu'on est face à un antichrist qui se fait passer pour le Christ et qui y ressemble, un peu comme le Canada Dry. À court terme, il y a une solution, évidemment. C'est que, pour le moment, les instances catholiques en Belgique sont sous la dépendance des évêques et du Saint-Siège. Donc il y a manifestement un instrument qui a été donné par le pape Jean-Paul II et dont il faut se servir. Mais ce ne sera que, je dirais, à court terme, ça ne durera pas. À savoir que toute personne qui a une responsabilité dans une institution catholique, que ce soit l'université de Louvain-la-Neuve, que ce soit un PO d'école catholique, que ce soit, je dirais, la direction d'un hôpital catholique, doit faire le serment de fidélité à la foi, ou au moins du respect de la foi, que le pape Jean-Paul II a écrit dans sa constitution Ad Tuendam Fidem en 1998. Confesser la foi catholique, confesser les conséquences de la foi catholique, à savoir, par exemple, pour l'euthanasie, que ce n'est pas quelque chose qui sera jamais admis, parce qu'il n'appartient pas à l'homme d'enlever la vie d'un autre homme. Et il y a des choses qui sont catholiques, par contre, comme les soins palliatifs, les soins psychologiques, etc. Donc, quand le frère René Stockmann dit, à un moment donné, « Si ils désobéissent, ils perdront leur label d'hôpitaux catholiques », je crois que ce n'est pas la bonne solution, que c'est la solution inverse qu'il faut faire. Ils ont désobéi, et donc, ils doivent sortir des instances dirigeantes de ces hôpitaux catholiques. Ils doivent en sortir. Et il doit être nommé des instances dirigeantes qui prononcent le serment de fidélité aux conséquences de la foi catholique et à la foi catholique, au moins dans le respect de ce qu'elle est. En effet, si jamais ils sortent, eh bien, on peut sortir, je dirais, quasiment toutes les instances catholiques de Belgique. L'université catholique de Louvain-la-Neuve a commencé par elle, mais aussi énormément d'écoles qui se disent catholiques ne le sont de fait plus, sont humanistes et le proclament, et croient sincèrement que c'est le catholicisme. Évidemment, ce travail-là ne peut être qu'à court terme, et il n'aura aucun effet à long terme s'il n'y a pas le travail fondamental que fit saint Athanase, à savoir reprendre un enseignement, une connaissance précise, argumentée, démonstrative, théologique, de ce que c'est que la foi catholique. Les conséquences viennent de causes. Prenons l'exemple de l'avortement. Pourquoi l'Église est-elle si opposée à l'avortement?
Les évêques, qui sont souvent humanistes et qui ne connaissent pas, disent « Eh bien, à cause du principe de la défense de la vie ». Ce n'est pas du tout pour cela. Si c'était la défense de la vie, eh bien, on prononcerait la même chose pour la défense contre la corrida ou contre la chasse. C'est à cause d'une foi, une foi qui fait partie de dogmes catholiques. L'âme des bébés est créée par Dieu à la conception. Elle ne vient pas, je dirais, du corps que lui communiquent ses parents. Elle est sacrée, elle est éternelle. Et donc, avorter, c'est projeter cette âme vivante, éternelle, immortelle, dans l'autre monde, dans un sort qu'on ne connaît pas. Donc il y a bien une logique fondamentale, que dans les années 60, évidemment, on voulait remettre en cause avec la mise en cause du mot « âme ». Et là, le pape Paul VI avait dit « non, l'âme existe, c'est une réalité, elle vient peut-être des Grecs, le mot vient des Grecs, mais c'est essentiel à la foi catholique. » Si on dénonce, ou plutôt on manifeste où est l'hérésie, et que d'autre part, on manifeste ce que c'est que la foi catholique avec ses dimensions verticales, eh bien, à long terme, je dirais, les choses se remettront en place parce que la cause, de nouveau, qui permet le respect de la vie, y compris pour les personnes handicapées, sera là. Si on ne le fait pas, eh bien, on sera débordé. Dernier point que je voudrais traiter, je sais que certains diront, mais il y a manifestement un complot, il y a eu de l'antrisme, des forces se sont emparées du catholicisme. Je ne partage pas du tout cette hypothèse. Non, je pense que c'est simplement une génération qui n'a pas été bien formée, qui a nommé des évêques dans la même idée que le christianisme était l'humanisme, point. Et je dirais d'étape en étape, cette pensée est passée partout, je dirais, dans le peuple occidental. Ce n'est pas un complot qu'il faut voir, plutôt, c'est des convictions, la conviction partagée par ces instances que le christianisme est l'humanisme presque sans Dieu. Ils sont des catholiques non-croyants, des catholiques qui ne croient qu'en l'homme,